Bienvenue et re-bienvenue dans l'espace bonheur. Dernièrement, j'ai eu un super bel échange avec une personne, un collègue ami. On discutait sur ce qu'on fait collectivement pour encourager la santé. On parle du système de santé, mais c'est beaucoup plus un système de maladie, on s'entend. Et c'est quoi notre pouvoir là-dedans? Qu'est-ce que nous, on peut faire individuellement pour soi? Et bien sûr, dans ma vision à moi, la santé, c'est une responsabilité personnelle. C'est peut-être pas toujours facile, on ne sait pas nécessairement comment, mais je crois qu'il y a tellement de ressources aujourd'hui que vraiment on peut faire des étapes concrètes pour son mieux-être, pour justement faire grandir la santé. Puis là, on parle énormément de santé mentale. Le bonheur et santé mentale, pour moi, ça va ensemble. Ça va très ensemble. Et même si j'ai un problème au niveau de la santé mentale, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être heureuse. Même chose pour la santé physique. Je peux avoir un problème de santé physique. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être malheureuse. Pas du tout. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont toujours impressionnée à l'époque où je travaillais dans un système de santé. Parfois malade. Je me rappelle de personnes qui ont eu un charisme, des malades, hein, on les appelle encore les malades. Et moi, j'aime mieux les appeler les clients du système de santé. Hein. Un certain temps, c'était des clients. Puis moi, j'aimais ça parce que c'est responsabilisant. Mais ces gens-là, qui étaient parfois très hypothéqués, ils savaient égayer toute une salle d'attente avec des petits jokes, des grands jokes, un petit sourire, un commentaire. Il y avait ce don-là de détendre l'atmosphère. Et quand on est détendu, hein, les gens se détendaient, ben, ça va déjà beaucoup mieux. Hein, l'anxiété diminue, la peur diminue. Là, pour revenir à cet échange-là, cet ami me disait, « Tu sais, Heidi, ton espace bonheur, là, ça aussi, c'est la propulsion de santé. Ça fait grandir la santé mentale, santé physique. Hein, c'est ensemble, on ne peut pas faire abstraction des deux. Là, ça va vraiment étroitement ensemble. » Et ça m'a fait plaisir. Puis je me suis dit, ben oui, je n'avais pas pensé relier bonheur à santé mentale. Grâce à lui, c'est maintenant fait. Alors, les gestes que je pose pour moi, le geste que vous posez pour vous, juste pour avoir un moment où vous regardez dehors, où vous vous détendez, vous voyez les dernières couleurs des feuilles dans les arbres ou celles déjà à terre. Tout ça, ça crée votre bonheur et ça fait augmenter votre niveau de bonheur, votre vibration de bonheur. C'est des petits gestes mis bout à bout, comme on dit au Québec, qui font qu'on se fait du bien. Et n'est-ce pas ça le but de se faire du bien? Alors, voilà une toute petite vidéo pour vous dire, travailler pour sa santé mentale et physique, c'est travailler pour son bonheur. Ça augmente notre baromètre de bonheur. Des petits gestes, hein? Voir ce qui est beau, ce qui est bon dans notre vie, à la place de voir ce qui ne va pas, ou critiquer ce qui nous dérange. Hein? Je me suis fait dire ça ce matin, j'ai fait un commentaire, parce que le service était très, 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 très lent. J'ai eu une petite affaire de patience et je me le suis fait dire et puis c'est parfait. Parfois les autres nous aident à juste dire « Comment là, c'est pas si important que ça ?» Puis effectivement, ce n'était pas important et j'ai changé mon attitude, j'ai changé ma critique là en autre chose. Voilà, c'est toujours en notre pouvoir. Pas besoin d'être parfait. Moi, j'aime bien montrer que je suis imparfaite, parfaitement imparfaite. J'aime beaucoup ça. J'aime mieux ça que des gens qui semblent avoir
le contrôle, puis de surtout, là, moi, j'aime mieux revenir à la maîtrise, m'être consciente que je suis humaine et m'accueillir là-dedans. Alors, accueillez-vous s'il y a quelque chose qui vous dérange chez vous actuellement. Ça aussi, c'est un beau geste pour être plus heureux, plus heureuse. Alors voilà, continuez à être de plus en plus heureuse, de plus en plus heureux. C'est en votre pouvoir et c'est possible et c'est facile. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.